Bonjour et bienvenue dans ce format court. Aujourd'hui, je vais évoquer deux sujets sur la base de deux questions que vous m'avez suggérées et recommander une chaîne YouTube. Et on commence avec ça. Est-ce qu'il existe des appareils suffisamment bons pour prendre l'ISS en photo? Techniquement, tu peux le faire avec une simple webcam. Parce que ce qui compte, en fait, c'est pas l'appareil, mais ce que tu vas mettre devant. En effet, vu d'ici, l'ISS est très, très petite. Donc l'élément important pour espérer la prendre en photo, c'est une bonne grosse optique. Et par une bonne grosse optique, j'entends un truc de 1 ou 2 mètres de focale ou dans ces eaux-là. Pour situer ça, c'est un objectif de 200 mm. 20 cm quoi. Pour avoir 2 mètres de focale, va falloir se pencher sur un bon télescope ou une bonne lunette. Mais le télescope, c'est la partie facile parce que l'ISS, non seulement elle est petite, mais en plus elle bouge. Et vite avec ça. Si vous l'avez déjà vu passer dans le ciel, vous savez de quoi je parle. Et toute la difficulté va être de la voir dans son champ de vision et de réussir à faire sa photo en même temps. Alors personnellement, je l'ai déjà observé une bonne paire de fois au télescope, mais je me suis jamais essayé à la photo. Parce que pour la photo, inutile d'essayer de la suivre au jugé, il vous faut soit anticiper sa trajectoire et vous placer en amont, soit disposer d'une monture motorisée capable de pivoter suffisamment vite pour la suivre. Autrement dit, c'est pas une technique pour débutants. Mais par contre, effectivement, c'est faisable et certains arrivent à des résultats assez intéressants. Nous en France, on a une pointure de la question, c'est Thierry Legault, qui a par exemple photographié des transits de l'ISS devant la Lune, ou le Soleil. Ça, par exemple, c'est extrait d'une vidéo. Le transit dure 0,6 secondes. Attention, ça va très vite. Vous l'avez vu? Bon, au pire, si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse vous rendre sur la chaîne YouTube de Thierry. Je vous la mets en description et dans les fiches. Et pour ceux qui trouvent ça tellement cool qu'ils auraient envie d'essayer, Thierry a un bouquin où il explique ses méthodes. Je vous mets ça aussi en description, tout en précisant que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Hein, c'est moi qui ai décidé de vous parler de ça. Pourquoi la gravité est légèrement plus faible dans la baie d'Hudson au Canada qu'ailleurs sur Terre? Ben en fait, il n'y a pas que dans la baie d'Hudson qu'elle est plus faible. En vrai, la gravité à la surface de la Terre est assez variable. Alors attention, quand je dis variable, c'est pas assez pour que vous puissiez sentir la différence. Mais variable quand même, pour une raison simple. La Terre n'est pas un corps homogène. Par endroits, elle est plus dense ou constituée de matériaux plus lourds. Et comme la gravité dépend avant tout de la masse des corps, les irrégularités dans la constitution de la Terre font que la gravité fluctue légèrement par endroit. Mais il y a encore pire. Si vous vous trouvez à un endroit où il y a plus de masse à côté de vous que directement en dessous de vous et que vous laissez pendre un fil à plomb, il ne montrera pas la verticale mais un point légèrement de côté en direction de la zone plus massive. Bon, alors en vrai, évidemment, quand je parle de masse, je veux bien entendu dire des milliards de tonnes situées dans le manteau terrestre, et quand je parle de décalage, je parle de valeurs infinitésimales que vous ne pouvez pas détecter avec un simple fil à plomb. Mais parce que ces fluctuations existent, se dire que sur Terre, la verticale n'est pas vraiment la verticale, ben c'est plutôt cool. Voilà, c'est tout pour moi. Vous pouvez retrouver les épisodes sur astronogeek.fr. Les t-shirts se trouvent quant à eux sur les pages Spreadshirt et Teespring qui sont en description. Et moi, je vous laisse avec la recommandation de la semaine. Alors à vendredi. Bonjour à tous, je m'appelle John et je vais vous présenter ma chaîne Scientory qui parle de l'histoire des sciences et des techniques. Par exemple, pourquoi les Grecs n'ont-ils pas provoqué de révolution industrielle? Qu'est-ce que la Révolution française a apporté à la science? Qui était Robert Goddard, le pionnier de l'astronautique? Et saviez-vous que le premier ordinateur conçu était censé fonctionner à la vapeur? Quelles sont les étapes qui ont permis de créer une invention révolutionnaire? Dans quel contexte une découverte a-t-elle été faite? Et quelles sont les personnes qui ont contribué à notre monde moderne? Voici les grands thèmes de ma chaîne. Mais je ne parle pas que d'histoire des sciences, car dans Anecdoxo, c'est la curiosité scientifique qui prend le dessus. Connaissez-vous l'histoire du zéro, ou celle d'Ötzi, la momie des glaces? Avez-vous déjà entendu parler du blob, cet être intelligent sans cerveau? Et vous êtes-vous déjà demandé si un aveugle pouvait reconnaître un objet si on lui rendait la vue? Voilà quelques-uns des sujets que je traite sur ma chaîne. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre, vous savez où me trouver. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Ciao.